Et il ne se passe jamais plus d'une décennie sans que les illusions des pacifistes ne soient balayées dans le sang. Ces gens-là devraient cesser de se mentir. L'agressivité spontanée envers le différent est une constante, en dépit du carcan moral forgé par les marxistes. L'envie de guerre est toujours là. Même en contrée progressiste, les prétextes aux affrontements ne manquent pas. Et l'idée d'une guerre ne rebute jamais les foules bien longtemps. Il suffit d'augmenter le niveau d'hypocrisie plutôt que d'admettre qu'on aime la guerre. On justifie nos interventions extérieures par le pacifisme, l'intérêt supérieur de la communauté internationale, les droits de l'homme, la justice globale et autres fadaises. Sans ennemi extérieur, une société en vient rapidement à haïr ses élites, ses communautés, ses responsables. La guerre civile est le seul avenir de toute société pacifiste. La paix est un souhait, la guerre est un fait. Et l'histoire n'a jamais prêté attention aux désirs et aux idéaux humains. L'idéal pacifiste est une condition terminale, disait Oswald Spengler. Pour Ayn Rand, la différence entre le communisme et le socialisme, c'est la différence entre le meurtre et le suicide. Les itoïstes ont la haine d'eux-mêmes, de leurs ancêtres, de notre civilisation. Il faut nous débarrasser d'eux, c'est une question de salut public. Et ça permet accessoirement de s'éviter un cancer de l'anus à force de s'énerver tout seul devant l'étalage des perversions mentales de ces gros enculés sudorifiques que je nommerai poliment la partie adverse. L'Église croit que garder la corde dans la grande course au marxisme est la seule manière de ne pas disparaître. Il ne croit plus en rien, sinon en ça. Elle ne fait qu'accélérer son suicide. Personne n'est aux commandes. La partie adverse, le marxisme, c'est une manipulation globale et tacite, une maçonnerie géante qui s'ignore. Personne n'a conscience de constituer un ordre sacré, mais cet ordre existe. C'est une religion, une machine. Il ne faut pas négliger la bêtise pure. Ceux qui aiment les belles fables croient sincèrement que le monde ira mieux s'il est métissé. D'autres y voient leur intérêt à court terme. Les immigrés sont les légions électorales du marxisme triomphant. Le socialisme se nourrit de la misère. Comme le capitalisme l'a détruit, il faut la faire venir. Les immigrés comprendront qu'ils peuvent s'élire eux-mêmes. Nous deviendrons l'Afrique du Sud. L'apothéose de la démocratie. Le peuple est souverain. Il ne fallait pas en faire n'importe quoi du peuple. Et les gens de bon sens, même s'ils comprennent ce qui se passe, même si ça ne les réjouit pas, ne font rien. Ils ont trop peur de la pression du groupe pour devenir des déviants. Ils veulent croire. En situation de péril, on est prêt à croire. En témoigne la superstition des marins, la foi des soldats. Combien d'athées se sont convertis en catastrophe sur leur lit de mort. Comme s'ils se décidaient soudain à mettre leurs papiers en règle, au cas où. Exactement comme
le malheureux qui, hein, dans un jour de détresse, s'est rendu chez une voyante. C'est pour ça que les travaillistes se croient sincèrement rebelles, alors que leur pensée est on ne peut plus conventionnelle. Militer, c'est croire. Le militant a tendance à refouler tout ce qui ne va pas dans le sens de ses croyances. Il peut rencontrer un partisan du progrès, du Parti du Progrès, au milieu de 100 000 travaillistes, et en conclure que l'adhésion au Parti du Progrès prend des proportions inquiétantes. Comme chez la voyante, il ne voit pas, il ne voit que ce qu'il veut voir. Mes contemporains sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à croire les médias. Ces médias qui ont inventé les charniers de Timi Sohara en 1989, les couveuses au Koweït en 1990, les armes de destruction massive irakiennes en 2002, les bons rebelles des printemps arabes en 2010. Et j'oubliais le meilleur, les camps de concentration en Serbie dans les années 90. Oui, la partie adverse a fait croire aux foules qu'il y avait des camps de concentration d'extermination en Serbie. Tous les Européens pensaient que les Serbes étaient des salauds. La manipulation la plus abominable de ces dernières décennies a été discrètement démentie sans le moindre scandale après la fin des bombardements, et les Européens ont continué à penser que les Serbes étaient des salauds. Tout est permis, pourvu que la cause soit bonne. Chacun y va de son pieux mensonge, chacun apprend à composer avec la réalité. Totalitarisme plébiscité. On ne tue pas l'opposition, on en fait notre diable. On ne tue pas les journalistes, on les empêche de vivre autrement qu'en esclaves. On n'impose rien aux gens, on leur laisse le soin de tout s'imposer. Tout un chacun s'est transformé en agent à plein temps de la propagande d'État. Nous sommes tous les complices de ce combat contre la réalité. Le carcan marxiste est d'airain parce que chaque maillon est un enchaîné volontaire. Qui tient le fouet ? Tout le monde. Donc, personne. Le hasard de la situation fait qu'une majorité d'imbéciles se trouve un intérêt fugace à promouvoir son suicide. La force du marxisme, c'est qu'il n'a pas besoin de tête pensante ni de concertation. Tout le monde fonce dans le mur parce que tout le monde s'y trouve un vague intérêt. Certains commencent seulement à ralentir parce qu'ils voient les emmerdes arriver à grande vitesse. Trop tard, ils sont comme ces jeunes fumeurs qui rient du cancer si lointain et qui trouvent sa classe de dire aux copains qu'il faudra bien crever de quelque chose. Ils ne comprendront leur erreur que lorsqu'ils seront morts. La pression sociale, comme toujours, fait le reste. Je ne crois pas aux grands financiers, aux grands comploteurs, aux grands calculateurs. Je ne crois pas en un berger. Nous appartenons à un troupeau sans tête. Nos ennuis résultent d'une gigantesque et tacite collusion de moralistes sans pilote, sans vraie logique. Il n'y a pas de calcul à long terme, pas par appât du gain, les traîtres tuent notre civilisation, leur poule aux œufs d'or. Et les antisémites sont contre-productifs. Ils assurent qu'un millier de juifs contrôlent la Norvège et les autres États européens, qu'ils sont toujours derrière toute chose. Syndrome de Frégoli. Et il n'y a pas plus antisioniste que les pays européens dominés par les indigènes marxistes et multiculturalistes. Les francs-maçons, par exemple, ne sont pas sionistes. Je le sais, je connais la maison. Comme je l'ai expliqué par courrier à un nationaliste russe, je ne suis pas spécialement l'ami des juifs. 80% d'entre eux sont déloyaux. Ils seront déportés comme les autres. Les juifs sont influents aux États-Unis, peut-être en Russie et en Europe de l'Ouest, pas en Scandinavie. Ce qui me préoccupe, ce sont les Nordiques d'abord et les Occidentaux ensuite. Ce qui concerne Israël et ses chers voisins,
est tellement secondaire. Les juifs sont une diversion pour les nationalistes qui n'ont pas le courage d'admettre que nos ennemis sont d'abord nos frères. Que l'effondrement de notre nation n'existe que parce que nous le décidons. Les antisémites peuvent respirer, la communauté juive, elle aussi, est en voie de disparition. Les jeunes juifs n'ont plus rien à foutre des principes des anciens. Ils se métissent avec des goyes massivement. Le métissage tuera tous les peuples, les élus comme les recalés. Si tout n'explose pas avant, la terreur est fragile, l'humeur des foules est changeante. De toute façon, même avec des précautions, le déviant sera mis au pilori. Les journalistes traquent le nauséabond partout, comme des mouches à merde. Ils ne veulent rien entendre ni comprendre. C'est coprophage. Ils ne veulent que des coupables exemplaires, quitte à les inventer. Et le reste du temps, ils divertissent au sens de faire diversion. Et ils entrent dans tous les salons pour déverser leur saloperie marxiste sur le crâne ramolli des téléspectateurs. Il ne faut pas sous-estimer ces vecteurs de la morale publique, ces bergers de la pensée. Sans les médias, le Parti du Progrès serait au pouvoir depuis longtemps et n'aurait jamais eu besoin de se saupoudrer le nez pour séduire les révoltés qui bandent mou. Les médias imposent des images de musulmans pour habituer les téléspectateurs. Plus on les exhibe, plus les gens se font une raison. Les mêmes médias nous présentent le travaillisme comme un innocent loisir à la mode, le style politique qu'on se doit d'adopter pour être tendance. Alors qu'ils sont extrémistes, eux, un parti qui prône, encourage et accélère et finance notre suicide est pour le moins extrémiste. Il y a 100 ans, des types affichant de telles idées auraient été mis en tôle, jugés et coupés en deux pour dérive sectaire, voire intelligence avec l'ennemi. Ils ne pourront pas toujours se réfugier derrière leur foi. Les Européens ne comprennent pas qu'il faut se battre en permanence pour défendre notre incroyable héritage. Plus jamais ils ne retrouveront leur douceur de vivre, leur solidarité, leur patrimoine. Sont-ils à ce point malades et drogués pour accepter un tel renoncement, un tel saut dans l'inconnu? Il faut être honnête, nous sommes mal en point, le marxisme a pénétré les crânes et contaminé les habitudes. Et les citoyens vigilants combattent eux-mêmes toute ébauche de fierté occidentale. Ils déshonorent l'héroïsme dès que possible. Les Grecs étaient pédés, les Templiers de vieux usuriers férus d'occultisme, les Vikings des barbares sanguinaires, les combattants de la Grande Guerre des couards miteux qui bouffaient du rat et se mutinaient. L'histoire est une légende. Les héros qui sont morts pour nos pays sont des pauvres gars qui ne savaient pas ce qu'il faut. Foutez là. Et il n'y a pas de quoi être fier, hein, quand on a un passé guerrier colonial, esclavagiste, collabo-génocidaire. La fierté occidentale autorisée, c'est la honte. Et malgré tout ça, je suis optimiste. Une religion qui combat la réalité ne gagnera pas. La sélection naturelle va siffler la fin de la récréation. Les gens comme moi qui agissent n'en sont que l'avant-garde. L'ordre naturel sera toujours le plus fort. On peut mettre des jupes aux petits garçons et des fleurs sur les fusils. La nature n'a que faire de la dernière mode. Elle reprendra ses droits. C'est ce qui rend si nerveux nos petits travaillistes. Pour l'instant, ce sont eux qui règnent, qui bouleversent et détruisent le vieux monde en imposant leur culpabilité et leur terreur. Ça va changer. J'en suis la preuve vivante. Je suis celui qui terrorise. Je suis l'histoire. Je suis une légende.
Pour en arriver là, je me suis un peu cherché, je ne le cache pas. En 2007, initié par un ami, je suis devenu franc-maçon. Ça m'a donné accès à un réseau intellectuel fermé, de mâles blancs imprégnés de vieux mythes occidentaux. Je les croyais anti-marxistes. Je suis tombé de haut, trouver un boulot au cousin de frère machin, faire sauter la contravention à la petite amie du frère bidule. Ces gens méprisent les non-initiés et ne haïssent rien tant que les nationalistes. Dans le fond, ils sont aussi bêtes que les marxistes de base. Eux le sont seulement avec plus d'érudition, de manière et de statut. Ce sont des cons VIP. Pour empêcher les médias de me diaboliser, j'ai publié une photo de moi en tablier maçonnique dans mon manifeste. Un franc-mac ne peut être ni attardé ni nazi. C'est d'ailleurs amusant, on me traite de fou pour quelques digressions pompeuses sur les chevaliers templiers. Mais on prend au sérieux cette secte prétentieuse qui tient des réunions secrètes entre frères initiés et satifs comme les membres de la confrérie du ragoût de mouton. La franc-maçonnerie, c'est ce qui nous manque à nous autres nationalistes. C'est un mythe ancré dans l'histoire. Nous avions les Spartiates, les Légions, les Vikings, les Croisés. La Seconde Guerre mondiale a effrayé tout le monde. On s'est castré, on a déboulonné nos statues, prohibé nos légendes. Aujourd'hui, les marxistes ont le monopole du mythe. Ils sont journalistes, enseignants, éditeurs, libraires, experts, conseillers vedettes, politiciens, communicants, magistrats. Ils contrôlent tout. Alors, comment diffuser nos idées? Soit on passe sa vie à tenter de créer des contre-réseaux en imitant l'ennemi, sans grande illusion, soit on les frappe une bonne fois pour toutes, de toutes nos forces en plein cœur. C'est ce que j'ai fait. Cette valtaille d'ignorants ne peut plus m'ignorer. À moi seul, j'ai créé et imposé un mythe qui deviendra, je l'espère, celui des générations futures. Les avocats s'évertuent à tisser la légende dorée de quelques utoïstes moins lâches que les autres. Inutile, c'est moi qui écris l'histoire, moi seul. On ne peut s'en tirer que par l'action individuelle. Il ne faut pas attendre que ça bouge, jamais. La masse est toujours passive. Ce n'est pas par elle que passera le mouvement nationaliste, mais par la poignée de mâles dominants qui sauront la tenir par les naseaux. Fidel Castro a fait la révolution avec 82 combattants. Il a même déclaré que 15 hommes déterminés aurait suffi, à condition d'avoir la foi et un plan d'action. J'avais les deux. J'ai fait ce qui paraît impossible. Une mission au Liberia, le pire trou du cul de la planète. C'était en 2002, en pleine guerre civile. Je devais y rencontrer des contacts et y remplir des missions, y survivre. Ce pays est un enfer. J'expliquais aux autorités africaines que j'étais mandaté par l'UNICEF. À mes proches, j'ai dit être en voyage pour un négoce de diamants, ce qui n'était pas entièrement faux. Sur place, à Monrovia, j'ai rencontré un templier serbe, ancien légionnaire, héros de guerre.
Je me réalisais pleinement. Comme les chevaliers templiers, j'étais devenu un fantassin abstinent, machine de guerre, avec pour seul objectif la défense de ma civilisation. C'est à l'âge où l'on songe à baiser utile, vers la trentaine, que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Avec eux, je n'aurais pas pu agir. Si je voulais survivre à cette vie, entrer dans l'histoire, je devais renoncer à ma descendance. Je voudrais que l'on mesure l'ampleur de mon sacrifice. Depuis plus de 3 milliards d'années, le fil de la vie n'a jamais été rompu. Depuis les algues bleues, tous nos ancêtres ont survécu jusqu'à transmettre leurs gènes à une descendance. À côté d'eux, des milliards d'individus sont morts sans y parvenir. J'ai décidé de mettre un terme à ma prodigieuse histoire génétique parce que je crois que ce 22 juillet 2011 pourra pousser des milliers de gens à agir. C'est un calcul de ratopnu. Grâce à mon sacrifice, les fils de mon peuple auront peut-être droit à une existence digne de celle de nos pères. Les chevaliers templiers menaient un combat de religion, mais aussi et surtout de civilisation. Leur puissance temporelle, le dévoiement de leur idéal par l'argent, tout ça les a conduits sur le bûcher, dressé par le roi de France, le terrible Philippe le Bel. Ils sont allés au bout. Ils ont défendu leur honneur et leur ordre sous la torture et dans les flammes. 54 d'entre eux ont péri sur le bûcher. Ils sont comme moi. Pestes, Perundo, Lassécite. Ils détruisent les fléaux en périssant. L'ordre du temple, c'est la reconquête, les croisades, la protection des fidèles. Il en reste de nombreuses traces et nous avons leur sang, leur héritage. Les Templiers, lourdement armés, étaient redoutables. Quelques solides francs puissants triomphaient de hordes d'infidèles armés à la légère. J'ai été le Templier du Touillard.